1, 2, 3, du live. Ah bah alors Gaël, c'est parfait, mais toi tu bouges, t'as perdu. Bah évidemment que je vais bouger. Mais non, c'est pas le principe jeu, de la statue. Un, deux, trois soleils, normalement tu bouges. Mais j'allais pas rester sur place au moment où on va annoncer le gagnant du concours des héros. Ah bah là t'as raison. Ok, d'accord, ok. En début d'émission, vous avez posé cette grande question. Oui. Fan de Pokémon, attention, la question est la suivante. Quelle est l'évolution de notre ami Bulbizarre? C'est hyper facile, c'était évidemment... Bulbizarre. Et oui, alors si ton nom s'affiche juste là, bah c'est bon, tu peux danser, chanter, faire la statue ou défaire la statue car tu as remporté la tablette. Ah, la fameuse tablette. Et on peut vous dire que vous avez été extrêmement nombreux à participer aujourd'hui, donc déjà merci hein, parce que ça fait plaisir, mais ne vous inquiétez pas. Un cadeau comme celui-là, vous allez pouvoir en gagner de nouveau dès la semaine prochaine. Allez. Plusieurs tablettes la semaine prochaine? Oui. Non, alors on s'enflamme pas les amis, hein, c'est une tablette par semaine. Quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Hein. Donc okay, soyez d'accord. Au rendez-vous vendredi prochain, on compte sur vous. Allez. Et si on se disait qu'on allait bouger maintenant là? Ah ouais, oui. Parce que là, y a, attention, il y a un cadeau, mais un cadeau de ouf qui arrive. Le plus beau cadeau du live du live. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Bah c'est nous, ils c'est chantent. Nous. Bah c'est nous. Non, voilà. On a dit jeunes. Ah ouais, bah c'est ils pas dansent. Nous, c'est pas nous. Bien. Ah, voilà, voilà. C'est pas nous, c'est pas nous. Faites du bruit s'il vous plaît pour les Kids Boys. Hey, t'avais oublié de dire qu'ils avaient beaucoup d'énergie quand même hein. Ouais, c'est vrai. Hey, vous avez la forme toujours comme ça. Ouais. Toujours. Est-ce qu'il y a une planète Kids Bop? Peut-être. Ouais, peut-être. Oh ouais, la Kids Boppy. Je reviens jamais. Mais comment on appellerait les habitants de la Kids Boppy? Les Kids Bopsiens. Yeah. Ouais. Ouais. Alors, on a reçu plein de messages, donc je vous propose une interview message flash. Vous êtes okay. prêts? Ça marche. Alors, première question d'Anaël. Vous vous connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis 7 mois. Grâce au casting qu'on a passé ensemble. Et du coup, il y en a plein dans le monde aussi, plein d'autres Kids Pop. En Angleterre. En Allemagne. Aux États-Unis. Au Mexique et plein d'autres encore. Donc vous, vous êtes les Kids Bop français. Voilà, c'est ça. Mais ce qui veut dire que la Terre, c'est déjà la planète Kids Bop. Ouais, en fait, elle s'est déjà transformée, la Terre. Ouais. Timéo vous demande qui est le meilleur danseur. Le meilleur danseur pour moi, c'est Ismo. Non, c'est toi, Lia. Oh là là. Non, c'est toi, c'est toi. C'est qui les futurs stars ici? C'est nous. C'est nous. Alors, Elisa, qui est très fan de vous et qui a déjà entendu votre musique, nous demande, est-ce que vous avez déjà rencontré Stromae? Non, pas encore. Mais on aimerait vraiment le rencontrer. On aimerait vraiment trop, rencontrer. Trop bien. Moi, j'adore le pas encore. Et tu crois pas que quand Stromae va aller voir sur le plateau du B-Live, il va dire, je l'ai vu en première partie? Je reformule. C'est qui les stars ici? C'est nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Il faut savoir qu'il y en avait plein d'autres. Hein. On a fait juste une petite sélection. Bon. Vous êtes prêts à danser, à chanter maintenant? Absolument. Ah oui, à danser, à chanter, à kiffer. Bon, on dit quand même un petit bisou à notre team connectée. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao. Les Gulivers. Merci infiniment. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi prochain à 17h15. Exactement. Et surtout, vous restez bien sur Gulli parce que tout de suite dans Gullywood, là, juste après Alors on danse, il y a Casse-Noisette de J'adore. Oh là là. Et juste après, à 21h05 dans Gulli Prime, il y a un flic à la maternelle. Oh de... Et je vous signale que vous avez oublié de dire un truc super cool, c'est que la semaine prochaine, dans le live du Gulive, il y a Joyce Jonathan. Et elle va nous interpréter un de ses singles qui cartonne. Et il y aura aussi DJ Matt Fuego. Oh là là, c'est musical la semaine prochaine. Hein. Soyez au rendez-vous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine les copains, et on se quitte en musique avec nos Kids Bop. Alors on danse. Y'en a encore.